Et bonjour tout le monde, ici Envol-moi 81 qui est tout seul sur ce coup-là pour l'épisode 4 de The City. Et cet épisode 4 s'est placé sous un signe particulier puisque nous avons atteint sur Google+ le 1 million de vues! Pou, 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 pou! Alors en tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent, à la YouTube Gaming Community, à la Liberty Star et à la French Open Craft que j'ai créée. Voilà, donc merci à tous ceux qui nous suivent. Et continuez, nous, on continuera d'être ce qu'on est, au clair. Des youtubeurs avec un débit de merde, qui partagent beaucoup d'actu geek, et qui sont champions d'All Fail. Voilà. Donc aujourd'hui, du coup, vous verrez dans la vidéo l'intro de la Liberty Char. Pourquoi? Parce que cet épisode 4, on commence dans l'épisode 4. Ce sera continué, fini par la suite. Alors je continuerai du coup la construction en remontage pour avancer. Et on va faire l'immeuble de la Liberty Shark. J'avais fait un petit immeuble pour YGC à l'époque, qui était hors vidéo, hein, c'était avant le commencement de la saison. Là, je le fais. Donc là, je suis en train de faire son plancher. Alors, c'est quoi en gros la tour? C'est un triangle, voilà. Comme le logo de la communauté. Enfin, c'est pas vraiment le triangle, le logo de la communauté, mais c'est un triangle aussi. C'est ça la tour. Ah, donc ici comme on peut donc c'est à côté bon un petit champ là c'est surtout à côté de cette zone qui est en construction qui est à proximité de l'aéroport et j'aurais pu foutre la tour là-bas mais il y a déjà c'est la YGC ici donc je vais la mettre par là c'est une zone où j'avais prévu de m'étendre parce qu'il faudra que je fasse l'accès à l'autoroute qu'il faudra que je prolonge donc vous voyez j'ai déjà un calendrier chargé déjà des choses prévues. Vous pouvez m'en proposer parce que les autres choses, genre autoroute, je peux pas le faire en vidéo, ça. Enfin, je peux la montrer honnêtement, mais bon. Voilà, donc ici on fait la tour. Donc là, je fais. Certains trouvent peut-être un peu ennuyeux ce que je fais, mais là, je fais le plancher. Très important le plancher, hein, c'est. Du coup, on commence, hein. Donc, donnez. Liker si vous aimez. Commentez si vous aimez pas, enfin si vous aimez vous pouvez le dire mais vous n'êtes pas obligé, hein. Mais s'il vous plaît si vous dislikez, dites pourquoi, hein. C'est vraiment pour qu'on s'améliore et qu'on comprenne ce qui va pas et que dans ce cas-là on s'arrange. Si c'est juste la qualité visuelle c'est parce qu'on a un débit de merde, hein. Mais ça vraiment ça à l'heure actuelle je n'y peux pas grand-chose. Peut-être plus tard mais à l'heure actuelle non. Hein. J'y travaille déjà pour une vidéo dont certains disaient que ça piquait un peu les yeux la qualité. Il m'a fallu, je crois qu'il y a une vidéo qui est en 320p. Il m'a fallu plus d'1h40 pour la publier. Et c'est pas une vidéo de 20 minutes. Donc, autant 1h40, 320p pour une vidéo de 20 minutes. Pour moi, ça me semble long, mais je peux accepter parce que au-dessus de 20 minutes, je peux accepter des temps de publication un peu longs. Mais sur des vidéos en dessous, faut pas déconner quoi. C'est celui de la station-service de tête. Voilà, celui-là. Non, celui-là, je l'ai compressé. C'était pas. Je sais plus. Je sais plus laquelle c'était qui m'avait fallu un temps de publication fou. Pour un truc pas si long que ça. Pourtant, j'ai pas fait de l'HD, hein. Quoi, voilà. On a vraiment un tout petit débit. Donc cette zone, pour ceux que ça intéresse, j'ai vais lancer mon Minecraft Moodle pour la faire et j'ai fait un peu de terraforming grâce au mode InstaHome. Je n'utilise pas le mode InstaHome pour mes constructions. Bon, je l'ai testé hein, pour une ou deux quand même, pour voir ce qu'ils avaient ajouté dans le mode. Mais j'utilise ce mode à l'heure actuelle surtout pour le terraforming. Par exemple, pour aplatir le sol, ils mettent du sable, ce qui est extrêmement pratique. Mais c'est limité aux blocs de pierre, aux blocs d'herbe et aux blocs de sable. Enfin, sur la version que j'ai pour le terraforming, donc un peu limité, mais franchement, c'est ce qu'il me faut. Bon, pour l'instant, on va pas placer la porte parce que je sais pas où la mettre, honnêtement. Parce qu'il va falloir que je fasse l'accès par les routes et tout, donc ça, je la mettrai plus tard. Donc, on va faire la tour.
Enfin, on va faire ensemble du moins le premier étage, hein. Après, je parle pas d'aménagement intérieur parce que là je suis nul. Donc si la liberté, donc si les membres de la communauté ont des choses à proposer, comment on organise l'immeuble et tout, qu'ils mettent en commentaire. Et qu'ils partagent le commentaire sur Google Plus parce que sinon moi je risque pas de le voir. Parce que je suis énormément sur Google Plus. Donc je vois. J'ai du mal à. Donc si c'est pas partagé en même temps sur Google Plus, des fois je zappe complètement les commentaires. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Donc honnêtement, partager sur Google Plus, hein, c'est important. C'est pas une blague, hein. Si vous voulez vous faire entendre, parce que sinon, si vous partagez pas en même temps, je risque de pas le voir, moi. On est à combien là? On est à 6 minutes, ouais. J'aurais pu faire une vidéo courte et mettre une qualité plus haute, ouais. J'aurais dû faire, mais bon. Faut que je teste pour voir si la vidéo est pas trop moche et que c'est pas trop lourd. Moi je teste, j'essaye, hein. Ce qui est dommage, c'est que un screen recorder, donc c'était le route que j'aimais bien, SCR, qui proposait lui le bridage et donc d'images par seconde, n'est plus sur Play Store. Bon, même si je l'ai pas téléchargé. Enfin, c'est vraiment dommage, quoi. Que j'aimais vraiment bien, hein. SCR Pro, hein. Mon ancienne tablette, enfin, quoique j'ai beaucoup râlé sur celui-là, mais au vu de la stabilité des screen recorders qui plantaient sur mon ancienne tablette, qui plantent pas sur ma nouvelle, c'est vraiment que mon ancienne n'était pas puissante du tout. C'était purement puissance qui causait problème. Alors que sur celle-là, ça a beaucoup mieux. Bon, des fois, il s'arrête en enregistrement, mais le système ne plante jamais. Donc, c'est dommage, hein. Que j'aurais pu du coup tester SCR, hein, et celle-là et voir ce que ça donnait. J'aurais pu limiter le nombre d'images par seconde et ça aurait permis en même temps de réduire le poids des vidéos, hein, honnêtement. Je participais à la réduction du poids et du coup ça me permettrait de pas trop rogner sur la qualité. Par exemple, je pourrais me contenter, honnêtement, comme j'avais par exemple, comme moi je fais pas de la HD, j'en ai rien à faire d'avoir 60 FPS. Bon, je les ai pas, mais des fois je suis pas loin, hein. Je pense pas que je les ai puisque j'ai de temps en temps des petits ralentissements. Et je suis pas loin des 60 FPS dans cette qualité, donc bon, je verrai à la fin de cette vidéo si je les attends ou pas. Donc moi honnêtement je m'en fiche, hein. Autant je ferais de la HD, autant là ça serait intéressant d'avoir 60 FPS, mais là comme d'habitude je laisse toujours le nombre d'images par seconde max sur ma tablette parce que je dépassais rarement les 30 FPS. Mais là sur celle-là je pourrais honnêtement l'hybrider, quoi. Bridé à 30 et puis voilà. Bon ben, on va laisser la tour de côté. Je vais un peu montrer ce que j'ai fait dernièrement et les projets de ce que je vais faire parce que la tour vaut mieux que je la montre quand elle sera un peu finie. Je commence quand même en vidéo pour montrer. Donc ici on a l'élargissement de la route dû à proximité, ce qu'ici il va y avoir. Il y avoir l'aéroport, j'ai commencé un peu son contour, mais je l'ai un peu détruit parce que à cause de la largeur de la route. Il y aura probablement une route par là, il y aura une route par là. Voilà, après je sais pas comment ils vont passer. Il y aura sans doute des parkings, des commerces qui seront construits, donc la ville va encore beaucoup s'agrandir avec la proximité d'un petit aéroport régional. Donc on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao ciao!